Familia, welcome back to my channel. So today I'll be showing you how I make my homemade hot sauce. Ok, là, bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon piment fait maison. For the ingredients, pour les ingrédients, on aura besoin de bien sûr du piment. For the ingredients, we'll need of course some red bell peppers, garlic cloves, big goose dye, ginger, gingembre, onion, one tomato, frozen tomato, lemon, I'm gonna need lemon juice, une tomate congelée, du citron, j'aurais besoin de jus de citron, red peppers, juste un peu de red peppers, juste pour avoir un peu de goût. I have a little bit of red peppers. And poivron rouge, et puis voilà. So we're gonna start. I'm gonna mix all this up. Basically, it's very easy. So we're gonna mix all this up with some juice, and then I'll show you the rest. Okay, guys. So I'm gonna add all my vegetables. I'm gonna add all this into my mixer. Donc je vais ajouter tout ça dans mon mixeur. Of course, my vegetables are nicely and are cleaned. I'm gonna add all this inside. Je vais ajouter du jus de citron. I'm gonna add some lemon juice. Okay, so I'm just gonna use my Tupperware lemon press. Je vais utiliser mon presse citron de Tupperware. Okay, guys, so what I usually do after mixing my red bonnet peppers is I fry it. Alors, la famille, ce que j'ai l'habitude de faire après avoir mixé mon piment, c'est de les faire frire. Alors, on va les frire ensemble. Donc, j'ai une poêle avec de l'huile. So, I have a frying pan with some oil. Okay, I'm just gonna add our mixture in it. I just got a new mixer and really, Ninja is the way to go. I'm switching all my electronics to Ninja. Slowly. Je viens de changer de mixer, là j'ai décidé d'aller avec Ninja et je vous assure, Ninja is the solution to your problems in the kitchen. Le Ninja est la solution à vos problèmes. Je vous assure que vraiment, c'est vraiment puissant quoi. Le mixeur Ninja est vraiment puissant. En tout cas, je vous le recommande à 100%. I am just loving it. I'm loving my new Ninja mixer. Free advertisement. Ninja is the way to go. Voilà. What I do is I add a little bit of nutmeg. Just a little bit.
l'axo. J'ajoute juste un tout petit peu de muscade. J'ajoute un tout petit peu de poivre noir. I'm going to add a little bit of black pepper. Just a little bit. Just a little bit. Like so. And finally, I'm going to add a little bit of Maggi seasoning. A few drops of this. Je vais ajouter quelques gouttes d'arôme Maggi. Voilà. That's it. We all set. Et là, on va juste bien mélanger. So at this point, we're just going to mix everything up just like that. And we're going to open all the windows and put on a mask because we're going to start coughing very soon. Alors à ce moment-ci, on ouvre toutes les fenêtres de la maison. On met un masque. Parce que on va se mettre à tousser très bientôt. Ah, je vous assure, les filles. Et voilà comment je fais ma homemade pili pili. Et voilà comment je fais mon piment fait maison. Très simple. Très, très simple. So we're going to let it cook for like 5-10 minutes and that's it. I'll show you how I store it. Ok, 10 minutes plus tard, voilà à quoi ça ressemble. Mon piment est prêt. On va le laisser refroidir. Et puis, je vais vous montrer comment je conserve ça. My hot pepper, my pili pili is ready. I'm going to let it cool down a little bit. Then, I'll show you how I store it. See you in a few. So what I do is I put them in a jar just like this. Donc je mets dans des bocaux, dans un bocal comme ceci. Je prends un Ziploc. Le reste je vais congeler. I take a Ziploc bag and the rest a small Ziploc bag and this I'm gonna freeze. Whenever I need it, I just take it out. And put it in my jar. I take some oil and I put it on top, just like this, for good conservation. Et voilà. Pour une bonne conservation, je mets un peu d'huile dessus. Et voilà, this goes in the fridge, and this will go in the freezer. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe if it's not already done, to like, to comment, to share. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Merci, bisous, God bless, bye bye.